ça secoue parce que je reprends un peu en travers. Allez, putain, garantie là, bah ouais, ça monte. Et... ah purée, voilà ce que ça a donné le labour de hier soir et cette nuit. Oh putain de Dieu. Putain, mais là ça me fait chier parce que ça fait des cales. Mais ça le fait pas partout, alors tant pis hein. Il n'y a pas trop le choix. Hein. Ah ouais, ça a gelé à moins 4. Et tu vois, bah, je reprends un peu en travers là. Pour pas me secouer la palisse, comme on dit. Et puis, bah. C'est parti. On va essayer de semer cet après-midi. Pour ça, j'en profite quand même que c'est gelé. Pour passer un coup de vibro. Bon, là ça a l'air d'aller mieux. Bon, je gratte léger hein. C'est juste histoire d'aplanir. Putain, les cales la gueule, bah ouais, là on est dans l'argile, alors je te garantis. Bon, là ça me fait chier parce que le régras il a repiqué là. Quel bordel ça. Et on n'a pas le droit au glypho. Bon là ouais, j'essaye de faire dans le sens du labour et dans le sens du semis. Ce champ il n'avait pas été labouré depuis 3 ans ou 4 ans. Ouais, ça doit être ça. C'est quoi ce machin qui est poussé hein? Une espèce de guenille ou je sais pas quoi. Ouais, ça doit être une guenille. C'est pas évident de vous avoir avec moi. Que je suis en train de regarder où je dois aller quand même. Enfin, je suis bien content quand même. Sinon, vous voyez, l'orge pousse bien. Oh là, ça y fait une promenade de santé. Oh, il y a quelques mottes. Ah putain, ça me... Et c'est toujours pareil. Soit ça gèle pas, soit ça gèle de trop. C'est comme ça. Mais bon, passer un coup d'air rotatif, ça me fait chier. Putain, lui il est froid ce matin. Et là, j'ai fait le con. Oh tant pis, je vais repasser un coup. De toute façon, sans le GPS, c'est pas évident. Ah, ça l'occupe quand même.
On va essayer de faire des jolis petits points quand même. Bon, de toute façon, les modes, ça va en fondre. Hein. C'est pris en masse.